C'est une femme de lettres qui a été très engagée pendant la Révolution française, notamment rédigé la première déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui faisait un pendant à celle du droit de l'homme, et qui était quelqu'un qui a revendiqué l'égalité, qui a lutté contre les discriminations faites aux femmes pendant cette période. Cette formule célèbre, si les femmes ont gagné le droit de monter à l'échafaud, elles doivent pouvoir monter à la tribune. Dans la mémoire de nos rues, les femmes n'ont pas assez de place. Depuis le début de mon mandat, j'ai décidé que chaque fois qu'il y aurait à renommer ou à nommer des espaces publics, c'est les femmes qui auraient leur place. Et donc aujourd'hui, Maître Olympe de Gouges, c'était dans un lieu qui est souvent occupé par des groupes de jeunes hommes, dans lequel il peut y avoir des fois pour les femmes de la difficulté à vivre tranquillement dans l'espace public. C'était le signe qui s'accompagnera de mesures de sécurité, évidemment, qu'il n'y a pas de lieu où les femmes n'ont pas le droit dans cette ville de vivre en liberté leurs mouvements, leurs déplacements, leurs engagements.